Bonjour François, merci pour nous raconter votre histoire. Ah, c'est pas un problème. Donc, on connaît votre histoire jusqu'au point où Meaulnes est parti. A-t-il jamais vous contacté? Oui. Il m'a contacté seulement avec trois lettres. Le premier, j'ai reçu le surlendemain de son départ. Mon cher François, aujourd'hui, dès mon arrivée à Paris, je suis allé devant la maison indiquée. Je n'ai rien vu. Il n'y avait personne. Il n'y aura jamais personne. Pendant près de 2 heures, je me suis promené de long en large sous les fenêtres. Il y a un marchand de vin et j'ai bu un peu pour ne pas être pris pour une bandite qui veut faire une mauvaise coup. Puis-je avoir un peu de votre vin, s'il vous plaît, monsieur? Certainement, monsieur, seulement 2 dollars. Ok. Je crois que ça c'est tout. Merci beaucoup. Je crois que Paris est plein de fous comme moi. Alors, il n'avait pas trop de chance en Paris et il ne savait pas quoi faire. Alors, j'ai reçu la deuxième lettre quelques mois plus tard, juin, je crois. Oui, juin. Cette fois, tout espoir est perdu. Je le sais depuis hier soir. La douleur que je n'avais presque pas sentie tout de suite monte depuis ce temps. Toutes les autres maisons sont éclairées la nuit, mais pas la chambre de Yvonne. La jeune fille de qui je t'ai parlé était là encore, attendant que moi. Je pensais qu'elle devait connaître la maison, et je l'interroguais. Excusez-moi, mais est-ce que... Je sais qu'autrefois, cette maison appartenait à une jeune fille et son frère. Ils venaient pour passer les vacances. Mais le jeune homme s'est fui le château de ses parents pour ne pas être trouvé encore. Et la jeune fille, elle s'est partie pour se marier. Ça, c'est pourquoi c'est fermé au moment. Sorel, mon ami, je suis dans une grande détresse. Alors, mon était désespéré, évidemment. Et je ne l'ai pas pu voir durant les vacances car on a dû aller visiter mon oncle Florentin. Et la troisième lettre? À la rentrée, exactement vers la fin novembre, j'ai reçu la dernière et la troisième des lettres que j'ai jamais reçues d'Augustin. Je passe encore sous cette fenêtre. J'attends encore, sans le moindre espoir, par folie. Je me plais à imaginer que quelqu'un va me prendre doucement par le bras. Je retournerai. Ce serait elle. Notre aventure est finie. L'hiver de cette année est mort comme la tombe. Peut-être, quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnerait la clefte et la suite et la fin de cette aventure manquée. Sorel, je te demandais l'autre jour de penser à moi. Maintenant, au contraire, il vaut mieux m'oublier. Il vaudra mieux tout oublier. Cet hiver, je l'ai essayé. De tout oublier. Merci François, c'était très informatif et un plaisir. Merci.